مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مات باي بروف حسن. دونك في ليكزيرسيس اون فا اتيدي اون سويت ريكورونت ديفيني بار اون فونكسيون هوموغرافيك. فوالا لا سي ان اكزيرسيس كلاسيك. اون فا انتخدوير سات سويت qu'on va démontrer qu'elle est géométrique, et après on va trouver l'expression de Vn, et par suite l'expression de une fonction de n, et on peut calculer la limite du n. Alors, première question, c'est montrer que quel que soit n, j'ai un compris entre moins 1 et u2. Alors, la démonstration, c'est par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 0, donc UN, U0 pardon, est comprise entre moins 1 et 2. Alors maintenant, deuxième étape. Alors je vais fixer un entier quelconque. Alors supposons que UN y compris entre moins 1 et 2, montrant que un plus 1 y compris entre moins 1 et 2, c'est-à-dire une double inégalité. Donc je vais commencer par d'abord démontrer que un moins 1 strictement inférieur à un plus 1. Donc, là, qu'est-ce que j'ai? L'expression du un plus 1, c'est un quotient dont les deux termes, le numérateur et le numérateur, contient un. Donc, la méthode de, d'encadrement n'est plus valable. C'est-à-dire, essayer d'encadrer ce terme-là et encadrer ce terme après faire des opérations, ça ne peut pas aboutir. Donc le moyen le plus facile, c'est la différence. C'est-à-dire, j'ai à démontrer cette inégalité, je veux montrer que n plus 1 moins moins 1 positif. C'est-à-dire, n plus 1 plus 1. Alors je vais remplacer par l'expression de n plus 1. Voilà, qui va nous donner, c'est 3un plus 2 plus un plus, pardon, plus 2, c'est ça, divisé par un plus 2. Alors, qui va nous donner, c'est 4un plus 4 sur un plus 2. Donc, toujours, pour déterminer aussi, chercher à factoriser en facteur simple, décomposé en facteur simple. Là, j'ai 4un plus 4, je vais factoriser par 4. Et je vais étudier chacun de ces facteurs. Alors, un plus 1, quel est son signe? Alors, j'ai un plus un strictement supérieur à moins 1, donc un plus 1 est strictement positif. Pour l'autre, c'est simple. On a comme un supérieur à moins 1 qui est strictement supérieur à moins 2. Alors, par transitivité, moins 2 est strictement inférieur à un. Donc, un plus 2 strictement supérieur à 0. Et donc, le quotient est positif. Alors, de 1 et 2, j'ai un plus 1 strictement positif. Donc, un plus 1 strictement supérieur à moins 1. Maintenant, l'autre inégalité, un strictement inférieur à 2. Alors, je vais faire toujours la différence. Donc, pardon, un plus 1. Un plus 1, donc je vais 3un plus 2 sur un plus 2 moins 2.
qui va nous donner 3un plus 2 moins 2un moins 4 sur un plus 2 qui est égal à un moins 2 divisé par un plus 2. Et voilà, je vais étudier le signe de chaque terme. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, un strictement inférieur à 2. Donc, un moins 2 strictement négatif. Pour le dénominateur, j'ai déjà démontré qu'il est strictement positif. Comme un plus 2 strictement positif, alors le quotient un moins 2 sur un plus 2 strictement négatif. Le quotient d'un nombre négatif sur un nombre positif, il est négatif. Alors, un plus 1 strictement inférieur à 2. Et donc, l'encadrement est démontré. Alors, conclusion. Un plus 1 est compris entre moins 1 et 2. Et voilà, l'encadrement est démontré. Alors, la question petit p. Question 2 petit p. Pardon. 2. 2 petit a. 2 petit a. Alors, on vous donne Vn, apport expression un plus 1 sur un moins 2, montre que cette suite est géométrique et démontrer qu'elle est déterminée, sa raison et son premier terme. Donc, il s'agit de montrer que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, avec Q un nombre indépendant de n. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord écrire l'expression de Vn plus 1. Alors, ça donne un plus 1 plus 1 divisé par un moins 2. Alors, pour les expressions de un plus 1 plus 1, on l'a déjà fait dans la question précédente. Un plus 1, c'est 4 fois un plus 1 sur un plus 2. Et un moins 2, c'est un moins 2 sur un plus 2. C'est inutile de refaire les calculs. Donc, je peux simplifier par un plus 1, ça donne Vn plus 1 égale à 4 fois un plus 1 sur un moins 2. Et là, je remarque, c'est l'expression de Vn, c'est 4 fois Vn. Alors, j'ai bien démontré que Vn plus 1, c'est 4 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 4. Voilà, son premier terme c'est V0. V0 c'est U0 plus 1 sur U0 moins 2. U0 c'est 0, c'est moins 1 demi. P exprimé Vn en fonction de n. Donc là, j'ai une suite géométrique d'horizon 4 et le premier terme moins 1/2. Alors, le terme général, c'est 4 à la puissance n fois V0 qui va nous donner 4 à la puissance n fois moins 1/2 que je peux écrire moins 4 à la puissance n sur 2. Alors, donner l'expression d'une fonction de n. Là, donc, il suffit
d'exprimer, d'inverser cette expression. Là, il suffit là d'écrire on a Vn est égal à Un plus 1 sur Un moins 2. Donc, Vn facteur de Un moins 2 est égal à Un plus 1. Donc, il suffit isoler le Un, tous les termes qui contiennent Un. Vn fois Un moins Un est égal à 2Vn plus 1. Je peux aussi factoriser par Un. C'est Vn moins 1 est égal à 2Vn plus 1. Et là, j'obtiens Un égale à 2Vn plus 1 sur Vn moins 1. Alors, je vais remplacer. Donc, 2 fois moins 4 à la puissance n sur 2, ça donne moins 4 à la puissance n plus 1, divisé par moins 4 sur 4 à la puissance n sur 2, moins 1. Alors, un, je peux l'écrire tout simplement, c'est 2 fois 4 à la puissance n moins 1. Moins 2 divisé par 4 à la puissance n plus 2. Voilà. Alors, pour le calcul de la limite, alors si je calcule avec cette expression, ça va donner une forme à déterminer, car 4 à la puissance n a pour limite plus l'infini. Rappelons que là, j'ai une suite géométrique d'horizon strictement supérieure à 1. Donc, l'astuce, c'est factorisation par 4 à la puissance n. Donc, c'est-à-dire, je fais factoriser ici par 4 à la puissance n, ça donne 2 moins 2 sur 4 à la puissance n divisé par 4 à la puissance n sur 1 plus 2 sur 4 à la puissance n. Voilà. Et simplifier, et le reste, c'est la limite de 2 moins 2 sur 4n sur 1 plus 2 sur 4n qui est égal à 2 moins 0 sur 1 plus 0. Tout simplement, justifier, c'est pourquoi la limite de 4 à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc, la limite est égale à 2.